Salut les gars! Salut à tous, Arthur. Aujourd'hui, on se trouve avec ma grand-mère. Oui, je vous ai déjà dit bonjour. Voilà, je vous ai déjà dit bonjour. En fait, en février, on a tourné une vidéo là dans ce même décor ici, voilà. On a tourné une vidéo où je faisais écouter du rap à ma grand-mère. Niggas F.I.O. Blackie Gap, Stevie Gap, Blackie. C'est les blacks, quel kiff, cette grosse top. Cette grosse. Ça existe pas l'argent passé, y'a les pots comme les coups. Un ressenti sur ça? Et quoi? Ok, donc du coup, donc elle a pas de ressenti sur ça, elle veut pas en parler. J'ai rien à dire. Et donc du coup, on s'est dit, ça serait marrant de faire l'inverse. C'est-à-dire que c'est ma grand-mère qui me fait écouter des musiques de son temps. Et du coup, voilà. Les musiques de mon temps, c'est... J'ai envie de te faire écouter sur quelle musique je dansais quand j'avais 18 ans. À 18 ans, ma mère a accepté que je sorte, que j'aille danser. Que à 18 ans, elle a accepté? Pas avant, c'était l'époque. On n'allait pas danser dans les boîtes, on allait chez les uns et les autres. Ça s'appelait une surprise party. C'était pas une surprise, mais je sais pas pourquoi ça s'appelait comme ça. C'était... voilà, c'est tout. Ah ok, donc... Il y aura deux parties dans cette vidéo. Il y aura la partie rock et il y aura la partie... slow. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir mon point de vue aux musiques anciennes, voilà. Et je suis sûr qu'il y a très très peu de monde derrière cette vidéo qui connaît les musiques. Et aussi voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et puis on est parti. Let's go. Je te fais écouter en premier un rock sur le que tout le monde raffolait. Ouais. Et c'est de Luis Prima et ça s'appelle Just a Gigolo. Ok. Aussi, c'est très important, j'ai écouté zéro musique, voilà. Ma grand-mère avait me dit, mais vas-y, si, écoute cela, au moins tu me dis, c'est bien toi. Non, j'ai écouté zéro musique, donc vraiment, je vais avoir la surprise dans cette vidéo. Donc c'est parti. Donc ça, c'est du rap. C'est du rock, c'est du rock. On dirait que c'est les musiques que ça se danse dans un bar ou un truc comme ça, non? C'est vraiment, ouais, ça se voit, c'est vraiment la musique ancienne, hein. Mais en vrai, ça va, en vrai, c'est bien. Genre, moi, je trouve ces trucs que je danse dans les bars ou les trucs comme ça, tu vois. Et on danse pas dans les bars, on danse dans les boîtes. Ah bon, je savais pas, putain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non. Ok. Bref, en tout cas, voilà, bon, on va passer notre musique. Maintenant, on écoute Bill Haley. Ouais. Rock, The Round. The Round the Clock. Oh, à l'accent de ouf. Là, on recommence. Rock, Around the Clock. Et c'est beaucoup, beaucoup plus... entraînant. Oui, beaucoup c'est plus beaucoup rapide. Plus entraînant. Tu vas voir, ça, c'est... T'as ta partenaire qui passe au-dessus de ta tête et tout ça, quoi. Ah ouais, vas-y, on va voir ça. Bill Haley and his Comets. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. C'est ça, rock. 10, 11 o'clock, around. 10 o'clock, tonight, but it's not. On va voir comment c'était en l'air. Ça, c'est... ah ouais, c'est des malades. Mais à quel moment tu danses sur un canapé? Une rock acrobatique, la fille elle saute au-dessus de, du mec, c'est incroyable. Ah, ça se voit, ouais, c'est entraînant en vrai. Hein. Le cul, bon, ça, regarde, 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 tu vois, c'est des trucs comme ça. Ah ouais. Encore, c'est rien. Voilà. Ouais. Bon, mon ressenti, en vrai, c'est pas mal, c'est beaucoup plus entraînant que le premier déjà, enfin que la première musique. À l'époque, on écoutait beaucoup de musique américaine. Donc maintenant, c'est, je te fais écouter du jazz. Louis Armstrong. Louis Armstrong, c'est Armstrong. When the Saints Go Marching. C'est lui qui est dans l'espace. Et après, il a fait une musique. Ok, super, on écoute. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with. Il est super, ce mec. When the Saints Go Marching In. Il rigolait tout le temps en jouant la trompette. Oui, il a l'air gentil déjà. Ah ouais, c'est carrément notre style, hein. C'est plus lent. Je sais plus très bien comment danser ça, parce que c'est un peu lent. Faut danser comme ça. Un petit danser d'épaule. Ça se voit, il a un visage de gentil. Ouais, en fait, il est né pauvre et il est mort riche. C'est ça que tu m'as dit. Et c'était marqué en dessous. Il s'appelle Fats Domino. Je raffole de sa voix. Et ça s'appelle Blueberry Hill. Ok. C'est drôle, hein, ça me fait un effet incroyable, sa voix. Ouais, lui aussi il a grave gentil. Moi j'ai pas ça. Regarde, il est content. Oui, il est tout le temps aussi. Lui.
Bah, maintenant, on va écouter Elvis Presley. Mais après, je suis pas sûr. Tu sais pas bien musique. Quelle musique il jouait. Non. C'était tous ses débuts. Ça ressemble à la musique d'un Retour à le futur. Je mets un extrait maintenant là. You can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. We'll do anything that you wanna do. Après, il y avait des costumes de scène tout en blanc et tout ça. Ça doit être à ses débuts, ça. Donc là, on a fini le rock jazz, on va dire. C'est rock jazz. Il y avait des trucs de rock, des trucs de jazz. Je vais vous dire un petit peu mon ressenti sur ça. En vrai, ça va. On voit que c'est des musiques d'anciens temps, on va dire, tu vois. Mais il y a des musiques plus rythmé que d'autres, voilà. Il y a des musiques que t'as plus envie de t'enjailler sur que d'autres, mais c'est pas des trucs que j'écouterai tous les jours. Mais écouter de temps en temps ou quoi, en vrai, c'est. Ça met la pêche, on va dire, tu vois. Ah, t'as raison. Et maintenant, on va passer au slow. Donc, c'est parti. Donc là, on va essayer des musiques plus tranquilles vu que c'est le slow. Je vais te faire écouter les Platters. Les Platters. Only You. On a tous flirté sur ces musiques qu'on va écouter là maintenant. Ah ouais? Only you. Mais je connais ça, elle est super connue cette musique. Ah bon? Ah bah bien sûr. And to make all this world seem right. Only you. Bah oui, mais bien sûr, tout le monde la connaît cette musique, c'est sûr. C'est une musique d'amour ça. C'est dire, on va tous flirter sur ces musiques là. Ah bah ouais, d'accord. Only you. Tu chantes en même temps que ça, c'est une façon de t'exprimer. Si, en vrai, pour l'instant, c'est mon coup de cœur parce que je la connaissais. Ah. Donc voilà. Donc maintenant, je vais te faire goûter Jazzman. Petite fleur. Petite fleur. Ça s'appelle Petite ça fleur. Ça s'appelle Petite fleur, ok. Il a chanté, il a fait aussi du rock, mais. Oh, on en était complètement bleu, ça nous rend tout ramollo. Ah ouais, c'est pas du tout le même style, hein. Bon, en fait, c'est vraiment une musique calme, chill. Pour faire c'est... Ouais, voilà, c'est une musique calme. Bah, maintenant, c'est Paul Anka, c'est aussi un Américain. Je te dis, on avait beaucoup, beaucoup de musique américaine. Ouais. You Are My Destiny. Ah, ça me dit un truc déjà, le titre. On va voir. Ah là, lui il est encore vivant là. Oui, encore vivant, mais c'est un américain donc tu l'entends moins. Parce que là, tu vois la, regarde, tu vois la qualité de la vidéo, on dirait que ça fait il y a 1000 ans. Là, alors, il est encore vivant, j'en suis. 1000 ans, t'es marseillais. Hein. C'est pourquoi quand on dit quelqu'un qui exagère, on lui dit que c'est un marseillais. Je connaissais pas cette expression. On va se mettre les marseillais sur le dos dans cette vidéo. Hein. You are my sweet girl. Quel succès il y a eu aussi avec ça, lui. Non, je vais dire d'abord celle que j'aime le moins, et après je vais dire ma préférée. Je vais réécouter un petit peu tout, juste deux secondes, et après je dis. Il y en a une dans le rock que j'ai pas apprécié de ouf. Enfin, que j'ai pas apprécié de ouf. Moins aimé. Voilà, moins aimé. Et dans le slow aussi. Dans le rock, c'est celle-là, c'est Louis Armstrong. Ça a l'air d'être un mec hyper gentil. Mais après, la musique et tout, j'étais pas hyper fan, c'est ça. Et après, dans le slow, c'était celle-là parce qu'il y avait pas trop de paroles. C'était un peu. Donc, je préfère quand même celle-là que Louis Armstrong. Et après, la musique que j'ai le plus aimé dans tout. À ton avis, toi, c'est laquelle que j'ai le plus aimé? Elvis Presley. Elle que j'ai le plus aimé, c'est. Only you. C'est celle-là que j'ai le plus. Après, c'est parce que je la connaissais. C'est elle que j'ai le plus aimée parce que je la connaissais déjà. Dites-moi dans les commentaires la musique que vous avez préférée. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une époque formidable, beaucoup plus facile, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et il faisait bon vivre à cette époque-là. Ciao les gars. Non, mais attends.
C'est pas ça. Attends, mais oui, si, c'est bien, mais faut juste que je dise quelques trucs avant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant ici sur la notation. Activer la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est très long comme phrase. Et tous mes réseaux sociaux sont en description, mon Instagram, enfin tous mes réseaux sociaux, n'hésitez vraiment pas, allez vous follow. Si vous voulez du contenu exclusif, voilà, sur Instagram, je dis tout en avance, donc allez-y. En tout cas, bon appétit à vous ce soir. Justement, on n'a pas le temps de... faut qu'on aille manger, hein. Salut. Bon allez Arthur, on va manger, j'ai faim.